Leur histoire a beau n'avoir duré que 3 ans, Nathalie Baye et Johnny Hallyday sont toujours restés liés. Éperdument amoureux de 1983 à 1986, les parents de Laura Smet ont vécu leur idylle sous les projecteurs. Johnny Hallyday était habitué à tout ce bruit et à tout ce monde autour de lui, raconte la comédienne dans les colonnes du journal du dimanche. Pour éviter les médias et les fans à Paris, ils avaient leur havre de paix. Quand on a habité la maison en dehors de Paris, la période où j'étais enceinte a été particulièrement dure, se souvient Nathalie Baye auprès de nos confrères. Nous avons été heureux dans la Creuse. Je ne l'ai même jamais vu aussi bien que dans la Creuse. Plus de 4 ans après la mort du père de sa fille, Nathalie Baye garde un souvenir ému du Johnny Hallyday qu'elle a connu. Il était extrêmement timide, il avait une vraie gentillesse en lui. Il était merveilleux et rare. Johnny Hallyday n'était pas ce que l'on imaginait. Il était beaucoup mieux que ça, a-t-elle ajouté, émue. Et le temps n'aura pas affecté leur complicité. Jusqu'à la fin de la vie du taulier, les parents de Laura Smet sont restés spécialement proches. Dans les colonnes de Gala en juin dernier, la comédienne a confié qu'elle gardait un merveilleux souvenir de leur idylle, une parenthèse heureuse, nous étions complices. On a beaucoup ri, malgré nos différences. Et si elle est restée amie avec Johnny Hallyday presque jusqu'à la fin, Nathalie Baye regrette tout de même n'avoir pas pu le voir autant qu'elle l'aurait souhaité du fait de la situation complexe que vous connaissez. Nathalie Baye, il était extrêmement malheureux dans sa vie auprès de nos confrères d'ailleurs, Nathalie Baye a dressé un portrait sans appel du rocker à la fin de sa vie. Dans les dernières années, il était extrêmement malheureux dans sa vie. Il était tout seul, toute la journée, dans son bureau, avec la télévision allumée. Je ne l'avais jamais vu aller aussi mal. Il ressemblait à un mort-vivant. J'étais triste que Laura voie son père dans cet état-là, regrettait Nathalie Baye auprès du JDD, sans mâcher ses mots. Dans les colonnes du Point d'ailleurs, elle se souvenait de la bataille qu'il avait menée avec force contre la maladie. Physiquement, il était diminué. Son corps n'était que douleur. Mais il n'a jamais lâché. À partir de début septembre, le combat est devenu très difficile, se souvenait-elle. Son corps commençait à le lâcher et la chimiothérapie ne fonctionnait plus. La maladie s'est développée très vite.